Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais cette nouvelle génération de footballeurs, elle m'inquiète un peu. Là, je suis inquiet. Je vois beaucoup de footballeurs. C'est des fils de footballeurs sur la vie de ma mère, les gars. C'est incroyable. C'est ou des fils de footballeurs ou des petits frères de footballeurs. Là, les gars, le foot, ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été à ce point pistonné. Là. Donc, j'espère que ça va se calmer, les gars. Parce qu'après, si c'est que des fils de footballeurs qui font carrière dans le foot, il y aura plus de place pour ceux qui crevent la dalle. Pour ceux qui crevent de faim dans les quartiers, qui jouent pieds nus, tous les week-ends, ils se lèvent, ils jouent en pré-honneur, ils se lèvent à 6h du matin. Oh là, il n'y a pas d'eau chaude dans les douches, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'arbitre officiel, ils jouent à l'extérieur, s'ils marquent un but, ils se font taper. Et eux, les gars, alors, oh là, c'est logique, les gars, si c'est les fils de footballeurs qui prennent la place. Les vrais dalleux, les vrais mecs en chien qu'on l'arrache, c'est eux qui font gagner les Coupes du Monde, les gars. C'est pas des fils de fils, c'est pas eux qui font gagner les Coupes du Monde. C'est les chiens de la casse, faut dire la vérité.